C'est sur la connexion de la vie quotidienne d'un coureur cycliste avec un bout de rêve. Alors quand il regarde la course, quelques jours plus tard, ils peuvent dire « J'y étais. J'ai été sur ces mêmes routes. » Paris-Roubaix est l'un de ces événements légendaires. C'est un réel défi, mais un excellent moyen de faire un événement sportif d'envergure. C'est la vraie guerre toute la journée. Entre les pavés brutaux, la possibilité de boue, la journée est imprévisible. Paris-Roubaix, c'est le premier truc. Hein. Puis après, les gens rentrent, sortent, ils viennent, ils vont dans les pavés là, ils vont dans les pavés de l'autre côté. Oui. Souvent, quand le premier est là-bas, on passe là-bas, c'est lui qui gagne la course. Souvent. Hein. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais. Peut-être la dernière année. Et ça quoi, oui. Il distribuait ça ou... Oui, on avait ça. Il n'y a tout simplement aucun autre événement tel que Paris-Roubaix. Il n'y a aucune marge d'erreur, aucune possibilité pour un coureur de baisser sa garde. En d'autres termes, tout comme il le dit, c'est la guerre, toute la journée.